Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une journée dans mon assiette et j'en profite là pour prendre une petite pause avant d'aller à la salle pour vous faire un peu le topo. Alors en gros, si vous n'avez pas suivi, j'ai effectivement repris un coaching que j'ai démarré lundi dernier et je suis repartie en diète stricte, donc j'ai un plan alimentaire à respecter et c'est là que je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire de vous partager une journée type. Sachant que j'ai aussi partagé sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, ma journée dans mon assiette d'hier, qui était une journée de repos, donc c'est différent entre journée de repos et jour d'entraînement, blablabla. Là, je m'en vais faire les jambes, donc comme vous l'avez vu, j'ai pris mon petit-déj, ça n'a pas changé, j'avoue qu'Amoury a été cool de ce côté-là, il m'a laissé mon petit-déj quasiment intact, donc je peux toujours me faire mon espèce de bol cake au micro-ondes. Le matin, le seul truc qui passe vraiment difficilement, et vous l'avez peut-être vu, c'est le vinaigre de cidre au réveil. Vraiment ça, j'ai du mal et ça me fout des crampes d'estomac et ça me donne juste envie de vomir pendant une heure. Mais bon, on fait ce qu'il y a à faire, hein, on réfléchit pas trop. Et là, je pars m'entraîner, donc je vais aller à Fitness Park Trinité pour faire les jambes. Et puis cet après-midi, je vous emmène avec moi, mais j'ai plein de petites bricoles à faire à Nice. Et bien évidemment, journée super roire, ça change pas, on continue de suivre le plan. Et let's go, c'est parti! Ok, arrivé à destination, petit pré-workout. J'ai arrêté la Monster. Non, pas du tout. En fait, je m'en suis grave lassée parce qu'ici, il y a zéro choix, ça rend fou. Donc, je finis les prés que j'ai à la maison. Et puis, quand je serai enfin moins lassée, peut-être que je rachèterai des Monsters. Mais je pense pas parce qu'en prépa, les Monsters, c'est pas assez fort. Il me faut des trucs qui tabassent. Donc... Je pense pas que ça va aller en s'arrangeant, mais on voit ça. Et puis, let's go, séance ischio-fessier. Pareil, le programme du coup a changé, c'est plus moi qui gère. Et c'est hyper différent de ce que j'avais l'habitude de faire, mais j'adore. Donc, top. Et puis, hyper focus. C'est simple, les jambes, je ne bosse plus les quads. Je fais que ischio-fessier, vraiment. Surtout fessier. Et le haut du corps, c'est à fond épaule-dos. Donc, on adore! Oh, je viens de trouver un spot dans ma caisse pour filmer. Il est ouf, j'ai mes deux mains libres. Let's go! Ok, séance terminée, vachement moins bien que ce à quoi je m'attendais. En vrai, je me suis foutu un gros booster dans la face pour me rendre compte au premier exo que mes écouteurs n'avaient plus de batterie. Donc j'ai fait toute ma séance avec la musique de la salle qui, pas de bol pour moi, c'est tout ce que je déteste, du latino. J'en pouvais plus. Donc niveau perf, pas ouf. Et je pensais que j'allais grave kiffer cette séance parce que c'est que des exos que j'adore. Et en vrai, j'ai eu... la machine à M3, je déteste. Soulever terre, sumo, pareil. D'habitude, j'adore. Là, ça m'a juste tué les lombaires. Donc, ouais, mitigé. J'espère que la semaine prochaine sera mieux. Mais là, j'ai juste le dos en feu. J'ai pas non plus trop senti mes fessiers de ouf. Donc, ouais, grave mitigé.
Et franchement, c'était pas la séance de ma vie. Là, je vais rentrer, manger mon post-workout et let's go. Allez, petit post-workout au soleil. Là, j'ai de la crème de riz avec de l'iso whey et là, des myrtilles. Et je prends aussi vitamine C et ashwagandha. I'ma make a toast cause we still alive. No big, I feel like Pac. I shoot the shot. I'm coming in hot. Petit repas du midi, pommes de terre, poulet, épinards et ananas. Et je mets toujours la sauce zéro, la c'est teriyaki. Bel app. De retour à la maison, j'ai bu un petit verre en ville, je suis allée faire 2-3 bricoles et du coup là il est 18h40. Pff, c'est tellement loin à chaque fois, on a une demi-heure de transport pour rentrer. Donc je vais manger mon goûter qui n'est pas du tout à 16h du coup, qui est à 18h. Mais c'est pas grave parce que de toute façon c'est plus sucré, c'est salé. C'est le truc qui m'a fait le plus bizarre dans ma diète, c'est vraiment de manger du steak à 16h, c'est voilà. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc on a du bœuf. Normalement c'est du steak haché mais il me restait du steak normal. Donc j'ai fini ça, des haricots verts, du riz, de l'huile d'olive et j'ai un peu de sauce zéro au curry. Et puis voilà, hein, bon app. So I'm not in a rush. I can hear music when you're here. Tonight we're rolling, party till closing. Since I put the ring on the finger, it's still frozen. Love in slow motion. I wanna feel you over me. Ok, on se retrouve en cuisine. J'ai bossé sur le vlog justement que j'ai monté et là je suis en train de me faire à manger. Hugo! On a. Ça me malade. Ok, avant-dernier repas, patates, champignons, œufs. Ça fait rêver. Je vous reprends pour le dernier repas. Il est quasiment minuit. Je vais me remettre à bosser. Et puis juste avant d'aller coucher, je vais manger ce qui me reste. Donc j'ai du beurre de cacahuète. Voilà. Et de la caséine. Je pense aussi que c'est la première fois que je vais réussir à conclure une vidéo le jour où je la tourne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Et puis je pense que je vous en referai dès que la diète change. Encore merci pour les gens qui me suivent. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.